Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 9. Donc on continue notre petite aventure après avoir obtenu le troisième badge de l'arène de type normal. Dans l'ancien épisode, nous avons eu aussi une victoire contre le deuxième membre de la Team Star. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons du coup vers un dominant ainsi qu'un maître d'arène, donc du côté est, vu qu'on a fait tout le côté ouest, à part le maître d'arène tout en bas à gauche, que je ne sais toujours pas comment on y va. C'est Mystère Evil Digim. Pour l'instant, on va se rabattre du côté est et on commence tout de suite après avoir lancé le jeu parce que j'ai quitté le jeu pour faire une mise à jour. Et du coup, cette mise à jour, je sais même pas en quoi elle consiste. Peut-être pour qu'il y ait moins de bugs, c'est peut-être ça. Alors j'ai appris qu'il y avait des raids Dracofeu, raid 7. Alors je savais même pas qu'il y avait des raids niveau 7. Moi j'ai découvert que les 1 et les 2. Et du coup les raids numéro 7, à l'heure où je tourne cette vidéo, se terminent demain. Et je ne pourrais pas les faire. Mais du coup, ça reprend dans quelques jours. Et je pourrais les faire du coup plus tard. Et bientôt, pas le prochain let's play, un autre let's play. Nous avons prévu du coup de faire une petite vidéo let's play coop avec Pat le Ouf. Donc ne ratez pas ce futur épisode. Mais pour aujourd'hui, on continue l'aventure avec cette petite musique. Oh, des mini anges. Du coup, je sais même pas dans quel sens il faut aller. Perdu, c'est vers le bas. Excusez. Oh, les lionceaux. Est-ce que t'es un mâle? Oh, t'as une drôle de moustache, toi. Alors, Farcoin. Hop. C'est vrai que j'ai oublié, j'ai une monture. Car oui, vous voyez cet épisode la semaine, une semaine après le dernier épisode. Mais moi, ça fait peut-être 2 jours que je n'y ai pas joué. Oh, des tauros. Mais j'en ai déjà un. Qu'est-ce que c'est? Oh, un motorizard. Mais ici, toi. On va essayer de l'avoir. En plus, c'est un mal. J'ai peur de le tuer. On va lancer un hyperbole. Capture critique. Yes. Un petit motorizard dans l'équipe. Entrée dans le Pokédex. Alors, des fresques veilles de 1000 ans. Vieilles de 1000 ans, excusez-moi. Laisse penser que ce Pokémon transporte des êtres humains sur son dos depuis les temps anciens. Non. L'envoyer dans une boîte PC. Je vais faire passer par un Vivaldin. Vivaldin printemps au passage. D'où il évite mon attaque? Bon, d'un côté tu vas te faire mal tout seul. Et moi je brûle.
toujours les taureaux qui me guettent. Lâchez-moi! Oh, encore un motorizard. Bon, on en a déjà un, donc on va pas en capturer 100 non plus. J'aurais bien capturé un petit Aignanceau vu que il fait partie de mes 6 Pokémon préférés. Ah bah j'ai vu que 0 dresseur en mode feignasse. On va trouver un petit Aignanceau quand même. J'aimerais bien que Pimito il évolue dans cet épisode. Ça serait sympa. Alors, Floravol. Tiens. Est-ce que toi t'es un mâle? Tu es une femelle. Désolé. En plus, les Aignanceaux, ils ont une forme femelle et une forme mâle quand ils évoluent. Alors, est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? Oui, on est dans la... Alors, on s'éloigne du dominant, mais on va vers le... Nous nous dirigeons vers la ville... Où il y a le maître d'arène, donc on va aller vers le maître d'arène. Oh, oh, comment vais-je te t'assaisonner? Kamala, la cuisinière. Drôle de nom, jamais entendu. Bah, désolé, mais je me fais suivre les taureaux partout, c'est fou. Il y en a à ma gauche, à ma droite. Bah, désolé, Kamala, mais mes Pokémon sont beaucoup plus forts. D'ailleurs, vu qu'ils sont plus forts, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Un de doigts là. Qu'est-ce que c'est ça? La cordine. On va faire ça. Déplacer. On va mettre le Pimito en avant. Ça tombe bien, moi aussi, je suis de sortie. Franklin. Franklin, ça, c'est plus connu. Ah, j'aimerais bien qu'il évolue. Allez, on va faire Trancherbe. Je crois qu'il est type haut, non? Non, non, c'est pas ça. Mais j'arrive quand même. Pas beaucoup de gains d'XP. Hein. Ben vous savez quoi? On va tester. Bonbon M. Tiens, on va le faire monter niveau 34 au moins. À 35, il est. Allez, on fait 36. 38. Et après, on arrête. Oh, ça prend rien du tout. De toute façon, il faut un objet. Ah, pas apte, pas apte. Non. Non. Il n'y a pas un truc qui est apte. Bon, tout compte fait, tu seras Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai pas la boîte à PC. Vu que tu veux faire aucun effort. Je te laisse quand même en autre position.
Aïe! Un petit dur ça. Bon. Pas besoin d'aller là. Oh, tu es bizarre toi. Oui, le concept de l'œuvre art. L'œuvre s'articule autour des contrastes, des rencontres entre les contraintes. Certes, n'est pas accessible au premier amateur venu. D'accord. Ah ouais, c'est de l'art en fait. Si tu le dis. Moi, je voulais monter sur un Pokémon. Nanana, ok. Un cabriolet. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le. Le défi il sera dans le là-dedans. Je sais pas pourquoi. Ah, un Eliatron. Il est bizarre ce Eliatron. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Pokémon. La récolte, artiste Colza. L'huile de Colza. Bravo, c'est pas facile d'arriver jusqu'ici, hein, bravo. Comme personne ne trouve jamais cet endroit, j'ai décidé d'y installer ma super base secrète. Bah, j'ai juste à monter au-dessus des. Oh, on dirait un Eliatron. Voilà. Il n'y a pas des Pokéballs. Des Pokéballs. Vous allez voir qu'on va devoir arriver au milieu. J'en suis sûr et certain. Bon alors, où est la reine? Ah, je crois qu'elle est là-bas. C'est ça? Non? Ah non, ça c'est un centre Pokémon. La reine. Là-bas. Ah, peut-être. On va monter là-haut pour voir ce qu'il y a. Ah bah c'est. C'est où on va combattre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ah mais d'accord, on m'a fait juste faire descendre pour ça. Ah, y a pas un bâton là-haut? Bon, on verra ça après. On va rentrer dans le feu de l'action. Alors, qui c'est? Ah ça. Tiens donc, ne serait-ce pas des mix? Ah, c'est le mec de la ligue. J'ai l'impression que votre tour des arènes se déroule on ne peut mieux. Attends, c'est de toi que tout le monde parle, non? Est-ce qu'il peut parler de la Ligue aussi? Mais si c'est toi, paraît que t'es un boss au combat, c'est vrai? Parfaitement. On se la pète, ouais, on se la pète. Ah ah, t'as de la répartie. Je vous présente Cayenne. Le piment? Yup, c'est moi, à ton service. Ouais. Je suis plutôt canon, mais t'inquiète, je mords pas. Ça va, je suis. Cayenne a beaucoup d'humour, mais elle est aussi membre du conseil des quatre comme moi. Sans douter. Mais je blaguais pas. Enfin bref, t'as plutôt l'air futé à première vue. Naturellement, il compte parmi les élèves les plus éminents de l'académie. Haha, ouais, ça se voit. Mais tu vas voir, quand t'auras dépassé la quatrième arène, tu vas moins rigoler. Effectivement, la grande majorité des dresseurs et des dresseuses renoncent à mi-parcours. Mais toi, t'es pas comme les autres, hein. Tu vas en faire qu'une bouchée de cette arène. En tout cas, t'as intérêt si tu veux qu'on se revoie. Pour ton examen de maîtrise. Je vous souhaite bonne chance. Bah, d'un côté, on reprend limite à zéro, donc je vois pas pourquoi on arrêterait à partir de la quatrième arène. Bienvenue à l'arène de Quencia. Ah, c'est vrai qu'on est dans une ville, une nouvelle ville, on ne savait même pas le nom. Donc on est à Quencia. Veuillez patienter pendant que j'inscris votre nom dans le registre. Demix, c'est bien ça? Vous voilà inscrit. Afin d'affronter Colza. Ah, c'est le créateur des petites statues qu'on a vues. Notre champion, vous devez d'abord passer l'examen de l'arène. Pour ce faire, il vous faudra participer à la cueillette des Eliatrons. Comme vous le savez peut-être déjà, Quencia est la cité des artistes. Pour créer
leurs œuvres, les habitants s'inspirent de la nature et du soleil qui lui donnent vie. Les Eliatrons incarnent tous ces éléments, alors leur cueillette est devenue une tradition locale. Votre examen consiste donc à trouver des Eliatrons disséminés à travers Quencia. Pour les reconnaître, rien de plus simple, ils ressemblent à des fleurs en forme de soleil. Quand vous en aurez rassemblé 10, amenez-les sur la place Eliatron et vous aurez réussi votre examen. Je vais enregistrer l'emplacement de la place Eliatron sur votre carte. Rendez-vous là-bas et adressez-vous au personnel sur la place pour les formalités. C'est à droite en sortant de l'arène. Vous ne pouvez pas la manquer. Il y a deux statues d'Eliatron à l'entrée. Bonne cueillette. D'accord. Faut trouver des Eliatrons. On va essayer. Est-ce qu'il y a du temps? Alors, visiblement, il n'y a pas de temps. Et il faut trouver des Eliatrons. Alors, oh, terrain de jeu. Est-ce que ça compte? On peut pas monter. Si, là. La renoncement d'Eliatron Artis Colza. Ah non, c'en est pas. Ah, c'est pas que des statues. Ah, c'est que ça, c'est des statues. Ah, faut que je trouve des Eliatrons. Je les trouve où? Ça? Non. Ah, faut que j'en trouve des vrais. Ah, par exemple, là, je suis à 4. 5. Ah là oui, il y en a une là. Ah, 6. Ah, Florges. Ah, comment je fais pour atterrir sur celui-là? Je peux pas. 6. Qu'il y en a là. C'est longtemps que je n'avais pas vu. Ah, une CT. Dégommage. Ça me dit pas où sont les Eliatrons. Ah là, il y en a un. 7. Non, oh, j'ai dit 7. Oh. Ah, bah non, ça marche pas. Pourquoi toi tu marches pas? Alors tout à l'heure j'avais. Oh, une CS. Une CT, j'avais pas vu. Que poison! Ça ne dit rien ça. Là il y en a un. 7. Là il y a une Pokéball. En fait je suis complètement perdu maintenant. Là. 8. 9. 9. J'ai checké celle-là. 10. Allez, 11. Ça devrait être ça, hein. Ah! À mon avis, faut parler au gars avant. À mon avis, faut parler au gars avant de... Mais qu'est-ce que je suis débile. Bonjour, je suis la préposée aux Eliatrons de la reine. C'est pour ça qu'on me surnomme la fille aux Eliatrons. Alors, c'est vous le candidat, êtes-vous prêt à rassembler les Eliatrons? Dans ce cas, je vais leur demander d'aller se cacher en ville de suite. Je me sens tellement débile. Allez, je crois qu'ils sont prêts. Alors que l'examen commence, quand vous aurez trouvé 10 Eliatrons, raccompagnez-les ici sur la place Eliatron. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez-y, bonne cueillette. Est-ce qu'il y a du temps? Oui, je veux bien avancer.
Ah! Là, vraiment. Là, ça marche maintenant. Ah non, donc c'est des vrais Zéliatrons. J'en ai un. C'est un deuxième là. Il n'y a pas un deuxième là? Non. Oh, c'est stylé, j'aime bien. Ça fait un petit cache-cache. Est-ce qu'il y en a en haut? Ça n'a pas l'air. Ah, il y en a là. Il y en a même trois carrément. Deux. 3, 4. Ouais, c'est facile ça. 5. Bon, il n'y a pas vraiment de challenge. 5. Là. 6. J'en ai vu un là-bas. 7. Oh, c'est trop facile. Huit. Neuf. Il me reste plus qu'un. Bon, il doit y en avoir un pas très loin, non? Ah, il n'y a pas là? Ah non, ils me suivent. J'ai toute une flopée d'Eliatrons qui me suit. Allez, je suis sûr qu'il y en a dans le labyrinthe. Ah oui, il y en a là-bas. Il reste plus qu'à sauter. Voilà. Et le 10. Faut les emmener à la place maintenant. Ah, stylé. Ils sont tous en train de me suivre. Ah, j'adore. La sortie. C'est par là. Est-ce qu'ils me suivent? Oh, bon, ils sont forts, hein. J'ai un attroupement d'air, moi. J'adore. Est-ce qu'ils sautent comme moi? Ah, ils sautent pas. C'est nul, ça, par contre. Voilà. Vous avez trouvé 10, madame. Vous pouvez les compter. Parfait. Ouais, c'est sympa. J'ai bien aimé. Merci d'avoir trouvé tous les Zéliatrons, vous avez réussi votre examen, bravo. Je vous laisse aller faire votre rapport à la réception de la reine de Quincy. Mais c'est pas elle à qui je parle? À qui j'ai parlé à l'intérieur? Il a du mal à sauter notre petit corail d'eau. Ah si, c'est la même personne, je suis pas fou. Alors, vous avez réussi à conduire 10 Zéliatrons jusqu'à la place. Bravo. Toutes mes félicitations, vous avez réussi l'examen haut la main. Vous pouvez désormais affronter le champion de cette arène. Vous souhaitez défier le champion de cette arène, Cosa Virtuos? Mais bien sûr, on va le démonter. Très bien, laissez-moi vous accompagner jusqu'au terrain de combat. Let's go. Bon bah du coup ouais, je pense pas que dans cet épisode on verra notre petit Pimento évoluer. Peut-être il faut qu'il apprenne une attaque spéciale. Salutations Challenger. Hop. Ah voilà, encore un mec qui s'appête. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Colza, je suis un artiste spécialiste des Pokémon Plantes. Et j'officie également comme champion de l'arène de Quincy. J'ai observé le déroulement de ton examen depuis le sommet de ce moulin. Ah, je n'ai même pas besoin de regarder s'il était. Tu as fait preuve de beaucoup de finesse dans ta cueillette des Zéliatrons. Quel esprit avant-gardiste! J'ose espérer que cet œil aiguisé se manifestera également lors de notre combat. Car vois-tu, il est l'heure de nous de créer une œuvre d'art collaborative. J'espère que tu es paré. Commençons notre création. C'est parti, hein? Avec ton fouet.
Quand disant un champion d'arène va se battre. Bon bah désolé, je pense que je vais tuer tous les one shot. Hein. L'art est destruction mais aussi création. Lutte si tu ne veux pas te servir de cucu. J'ai pas vu la fin. Bon bah désolé, hein, je vais te lancer des lames R. Pour Olivini. Tiens. On va utiliser Olivado. Non, je pense que lui, il évoluerait dans les niveaux... dans le temps des niveaux 36 ou 38, un truc dangereux, je pense. Et c'est la fin du challenger. Un simulum. Allez, on va utiliser un peu de tout. On va prendre dauphin. Je me demande s'ils ont mis une évolution pour simulum. Ils ont bien mis un seul lourdeau. Tu possèdes un talent indéniable. Ce combat est déjà un chef-d'œuvre. Menons-le à bien. Ah, c'est ton dernier Pokémon. Bon, allez. On va faire Aquajet. Ah, il va pas lancer sa Terra Cristallisation. Bizarre ça. Non. Normalement, il les lance tous les maîtres d'arène. Mettons la touche finale à cette œuvre et nommons le véritable. Ah, c'était sûr. Avec la petite musique. La petite flower. La terre cristallisation plan. Ah ouais, mais du coup, ça sera pas efficace. Eh oui. Et du coup, moi, je vais m'en prendre plein la gueule. L'art n'attend pas, alors accélérons la cadence. Des herbes. J'aurais dû lancer mon... Comment il s'appelle ? Charbambin. Mais je vais le tuer quand même. Eh, c'est une victoire. Bon, pas beaucoup d'XP par contre. Ah ouais, arrache-toi les cheveux. T'as raison. Quel avant-gardisme. Oh, il tient de ses gueules. Il pourrait faire Halloween. Waouh, quelle créativité dans ta stratégie. Cet enchaînement des capacités d'attention aux détails dans le choix de tes Pokémon, on voit que tu as perfectionné avec finesse ta technique. Je n'ai pas peur de le dire, ce combat était purement et simplement de l'art. En ce qui me concerne, je dirais que tu t'es brillamment illustré lors de cette épreuve. Voici la preuve de ton triomphe, le badge de mon arène. Prenons également une photo. La petite pause sympa. Avec 4 badges d'arène, tu peux capturer plus aisément les Pokémon de niveau 40 ou moins, et tous t'obéiront. Je me fais aussi une joie d'offrir ma CT favorite à un virtuose de combat tel que toi. Désherbaf. J'aime bien cette CT, elle est sympa. Ah, l'inspiration m'est venue et ne me quitte plus. Je l'aperçois de toutes parts. Je dois m'atteler à ma prochaine œuvre, donc si tu veux bien m'excuser, adieu. Et carrément adieu, lui. Bon bah c'était rapide du coup. Bon, moi ça nous permettra d'aller voir le dominant. Et je pense que le dominant aussi on va l'exploser. Ah oh, Menzi.
et des mix. Tu viens de finir l'arène, bravo, c'est vraiment génial, ça te fait 4 badges d'arène. T'as déjà fait la moitié du chemin, félicitations, c'est fou, t'arrêtes pas de progresser. Ça me donne envie de faire un combat tout de suite, maintenant. Mais en fait, c'est pas trop le moment là. En gros, j'ai choisi l'équipe de Pokémon que j'ai sur moi spécifiquement pour cette arène. Et je préfère t'affronter dans les meilleures conditions, alors notre combat devra attendre. Pfff, ça tombe vraiment mal, désolé Demix. J'espère que tu ne m'en veux pas. Bon, je t'en veux pas. Ça, peu importe les Pokémon que tu prends, je te le démontre, donc... j'en veux pas du tout. Allez. Du coup... nous sauvegardons. Pour cette mémoire, notre victoire mémorable. Oui. Donc il y a un bâton là-haut. On l'avait retiré une fois. Est-ce que je peux y accéder par contre? Ah, il y a une statue là-haut, non? C'est juste un rocher. Qu'est-ce que c'est? Ah, les espèces de pijaco là. Bah, on va essayer d'en capturer un. On en a pas. Un Tapatoès. Ah bah là en plus ça tombe bien. Par contre ce qui est embêtant c'est que bah du coup je peux pas trop les attaquer. 2 3 Parfait. A mon avis ils ont pas d'évolution. Alors ces Pokémon préfèrent vivre en ville, ils forment des groupes selon la couleur de leur plumage, ils se livrent à, des luttes de territoire. Ah oui, on dirait des petits loupards avec leurs petites crêtes. Et du coup, ils ont différents plumages. On va faire attention. Est-ce qu'ils ont peut-être une évolution? Ah, peut-être. Vas-y, agresse-moi, toi, je te dirai rien. Oh, juste le droit que je vais te démonter. Ah oui, c'est vrai que tu es très... Mais arrêtez de m'entourer. Ah, ça me fait penser que je n'ai pas pris mon aiguillon, sauf. Il est efficace moi quand même mon petit palmaval. Ah ouais il faisait pas mal du tout. Alors là on a des brésilions. Ah on a une plumeline. Ah non c'est que des plumelines en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais il y a un bleu là. On va essayer de le capturer. C'est un mâle. C'est stylé s'il y a plusieurs couleurs. Bon bah désolé mais... c'est nope. Ah bah c'est peut-être comme les plumes. Alors du coup, moi ce que je voulais à la base c'était monter sur la colline. Météor. Bon, à mon avis... c'est pas par là qu'on peut monter. Qu'est-ce que c'est ? Un manglouton, un argouste. Moti, moti, moti ! Yo, Demix. Apparemment, le dominant roche falaise est quelque part dans la zone rocheuse. Je l'ai cherché, mais sans succès, impossible de le trouver. Ça se trouve, il s'est collé bien en hauteur sur une paroi. Tu crois que c'est possible? Non, en fait, ça m'étonnerait. Je doute qu'il soit dans un endroit aussi inaccessible. Donc, t'embête pas à le chercher trop loin ou tu risquerais de tomber de la falaise. Et si tu sais plus où t'es, je te conseille d'ouvrir ta carte pour voir les alentours. D'accord. Ça marche. Pourquoi il y a une pierre au milieu là-bas?
Donc du coup, il faut que je trouve le dominant. Et du coup, il serait là-haut. Et si je monte là? Ah, c'est là que je peux monter. Alors là, il y a un caninos. En bas, il y a un dresseur. Rapide ball. C'est les Lilithrel. Bon. On va s'attaquer au dresseur. Et maintenant, battons-nous. Lorenzo. Pas mal le prénom. Sympa, j'aime bien. Alors, Aquajet. J'aimerais bien monter en haut pour essayer de... d'atteindre le... un Luxio. Ah ouais, on va changer. Tiens, on va lancer Olivon. Ouais, j'aimerais bien atteindre la petite... l'espèce de bâton qu'il y avait en haut de la colline, là. Le sceptre. Je me demande ce que ça fait. Est-ce que ça le tue? Parfait, un petit coup critique. Bon, mais c'était rapide. J'ai perdu, et maintenant? Bah maintenant, je m'en vais. Alors, Spoink, le petit champignon. D'ailleurs, faudrait que je le reprenne, lui. Histoire de faire évoluer. Super 9 fléché pour arriver à Quencia. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit crabos. Ouh, il fait trop de bruit, lui. On dirait une vache. Un craparois. Oh, bah, désolé. Drôle de bruit celui-là. Ah zut! J'ai marché sur un Lilithrel. En fait, j'étais en train de regarder ce qu'il y avait sur ma droite. J'ai cru voir un truc violet. Ah bah oui! C'est la pièce, la pierre de. La pierre des raids. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Un coquillasse. On va éviter de faire des combats. Bah, il n'y a plus de craparois. Oh, c'est pas cool. Ils sont pas drôles. Vanglace. Non, on n'écrase pas le Lilithrel. Alors, est-ce que... Non, je ne monte pas. Hop, c'est bon. On a notre fraîche. Et du coup, faut que j'aille là-haut. Ah, j'arrive pas à monter. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les petites souris qu'on avait capturées la dernière fois. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, on va essayer de trouver le... le dominant. Ah, il y a un craparois en bas. Il a une bâche. Oh, c'est encore une femelle. Dauphin va apprendre encore. Non. Dauphin ne veut pas évoluer. Si, il y a une évolution. Terra et Claroche, d'accord. Ça c'est le champignon. Ça c'est un Lilithrel. Charme. Donc on l'avait déjà. Je crois entendre un craparois. Qu'est-ce que c'est? Ah, un Assolourdo Terra cristallisé. On va essayer de le capturer.
Attends, je sais qu'il est une évolution. Ah, stylé cette Terra Poison. Qu'est-ce que t'es? Oh non. Bon bah dommage. Tant pis. Pas pour une autre fois. Ah bah en plus il veut pas mourir. Ah mais du coup ça meurt pas direct. On peut pas être one shot. Enfin je pense. Hein. Ça lui a qu'elle a... à son changement d'état de terra cristallisation. La première fois que j'ai fait ça avec le Miaouss, j'étais en panique pour le tuer, pour pas le tuer. Bon, par contre, c'est où que je remonte là? Ah oui, c'est là. Ouh, ça va être compliqué ça. Ah, Craparoi. Ah bah c'est peut-être lui que j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que t'es là? Bon, mais dis pas qu'il y a que des femelles là-dedans quand même. Rien sur le dos. Un Craparoi. Un Spoink. Bon bah je crois qu'il n'y a que des femelles. Hein. Ce sera à vérifier. Mais c'est quand même bizarre. Alors, Caninos. Où est-ce qu'on est? Oh mais c'est grand en fait. C'est grand ce truc. Bon les Pokéball on va les éviter. On va juste... Ah il y a une CT en bas. Allez devine. T'es perdu? Essaye de deviner qui est mon professeur favori. J'ai pas leur prénom. Aliénor. Le Pokémon, le professeur de lui. Bon, en tout cas, il faut que tu apprennes mieux les cours. Hein. C'est Monsieur Jack que je préfère. Ah oui, le professeur. Oh, il y a plein de Dixie qui sont apparus sur la route. Balayage. Alors. En fait, on se perd facilement ici. C'est abusé. Est-ce qu'on peut sauter? Ah bah non, il y a une CT. Piétisol. Bon, concentrons-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est quoi ça? Ah, c'est les petites souris, les petites pommes là. Bon. J'espère qu'on va le trouver quand même assez rapidement, ce dominant. Mais, en tout cas, il y a un Craparoi. Ah, il y a des joues rouges. Bon bah il y a peut-être que des femelles. Hein. C'est quand même bizarre ça. Des petits lags. La chasse au trésor, j'adore. Moi aussi je participe à la chasse au trésor et je ne perdrai pas contre personne qui est une personne plus jeune que moi, que toi. Ornella. On plutôt dit qu'Ornella c'est un nom de fille. Ah bah il y avait un Craparoi derrière moi.
Ah bah il est là-bas. On va essayer de voir après. Après avoir battu Ornella. Un cornébre. Continuons. On a même plus mon palma mal. Ah si, il est là. On voit ses pieds. Voilà. On va voir. On voit ses petits. Tcha-tcha-tcha. Je suis sûr que tu vas trouver ton trésor. C'est gentil. Toi! Bon, bah. Visiblement, il n'y a que des femelles. Bon, du coup, on va aller par là. Je pense que c'est par là, non? Ça a l'air d'être par là. Je crois que je l'ai trouvé. Vous avez vu la même chose que moi. Vu la taille du truc, il y a moyen que ça soit ça le dominant. Ah bah non, vous voyez qu'il y a des mâles. J'essaie de le capturer du coup. Il se fait tellement rare. Par contre, je peux pas te taper. Parce que si je te tape, t'es quick. 1, 2. Aucun effort. Un, deux, trois. Parfait. Alors j'imagine bien la CS escalade avec notre fameux petit dominant. Alors, il se poste la tête en bas sur une falaise dans l'attente d'une proie, mais il ne peut pas rester longtemps ainsi car le sang lui monte à la tête. D'accord. Est-ce qu'il a peut-être une évolution? Non, il n'a pas d'évolution. Car il est juste après Pimito. Juste avant, je veux dire. Alors... le total soin. Là, c'est d'où on vient. On prend la Pokéball. Faudrait que je pense à vendre mes Ostras. Et le dominant. Qui est juste au-dessus, normalement. C'est pas ça? Bah, il est où? Il était pas là? Bah zut alors. Sans bien l'avoir vu là. Bah, il est où? Il a bougé? Pas possible. Avant qu'il soit là. Ah, il est là. Bonjour. Eh oh, je suis là. Ah, il bouge. Bah, t'es gentil, j'aimerais bien te combattre. Non, mais l'autre, il me snob. Eh oh, coucou. Bah, c'est pas trop tôt, hein. Moi aussi je peux faire crap. Est-ce qu'on te one shot? All one shot. Cette pierre vient de bouger. Quoi, faut que je cours après? Ah c'est bon.
l'épice. Une épice rouge cette fois-ci. Demix, t'as trouvé le dominant? Alors c'est lui le dominant roche falaise? Il est immense! Oh non, c'est bien possible que l'épice le rende encore plus fort. Demix, reste sur tes gardes. Bon, tu sais quoi, je peux me débrouiller tout seul cette fois-ci. Hein. Ça sent un peu le roussi, mais on va pas se laisser faire. Coquillasse, donne tout ce que t'as. Bon bah, ton coquillasse, il ne resservit à rien. Et je perds avec un fortivore. Contre un fortivore, hein. C'est une blague. Ah ouais, one shot. Et pas d'XP. Bon bah c'est parti pour une longue cinématique. Ouais, on a réussi, bien joué Demix. N'empêche, quand les Pokémon dominants s'énervent, ça rigole pas. Je me demande à qui il parlait la dernière fois. Je pense qu'on trouvera un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y avant qu'il revienne. Eh ben, ils disent dépêcher, mais ils prennent le temps de manger un sandwich dans la grotte, tu sais. Alors, si c'est comme la dernière fois, on devrait pas tarder à tomber dessus. Bah, juste devant toi, je pense. Hein. Bingo, la voilà. Elle est rouge. Il n'y a pas de doute, c'est l'un des épices qu'on recherche. L'épice secrète sucrée. Donc la dernière fois, je crois que c'était amer. Excellent, merci Demix. Alors, il dit quoi mon bouquin? L'épice secrète sucrée fortifie l'estomac et favorise la digestion des aliments. Ça dit aussi qu'elle est efficace contre les maux de ventre et qu'elle permet de retrouver de l'appétit. Si je lui prépare un bon sandwich avec ça, il devrait pouvoir en manger. Et Demix, j'espère que t'as faim. Car c'est l'heure de passer à table. On tranche, on garnit, allez hop hop hop. C'est prêt. Sandwich façon Pepper aux épices du jour. Et le badge dominant qui va avec. Donc, badge roche, c'est ça. T'as l'air d'être plus appétissant que le dernier. Quelle aventure pas dessus là. Encore toi. Oh, on est toujours gentil, on lui donne. Ah aussi. Je rêve, il a essayé de te dire merci ou quoi? Heureusement que j'ai préparé un sandwich en rab. C'est pour te récompenser, toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Et c'est certainement pas pour Coraidon que j'en ai fait un de plus. La sprint? C'est tout? Tiens, on dirait qu'il a encore appris quelque chose. Il n'y a pas à dire, ces épices secrètes sont vraiment incroyables. Oh, ça peut servir pour aller plus vite dans le display. Encore heureux, sinon ça ne servira à rien. Mais dis pas qu'il va manger le deuxième. Il a mangé. Non, touche pas à ça. Il n'est pas pour toi, ce sandwich. Hein? Ah, désolé d'avoir hurlé. Je crois que je vous dois quelques explications. Vas-y, tu peux sortir. Ah, il parlait à un Pokémon. Voici Dogrino, c'est mon partenaire. Agro? Oh, le pauvre. Il me fait de la peine.
Tiens, mange ce sandwich, ça va te faire du bien. Régale-toi, mon beau. Mâche doucement, prends ton temps. Oh, t'as l'impression qu'il va mourir. En fait, il a été gravement blessé il y a quelques temps. Et il s'en est jamais vraiment remis. Tu l'as amené au centre Pokémon ? Ils m'ont dit que c'était pas une blessure ou une maladie ordinaire. Tu vois, mon Dogrino, il est plus important que tout à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverais un moyen de le soigner. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché dans des livres, j'ai testé des tas de remèdes, mais il n'y avait rien à faire. Jusqu'au jour où j'ai fait une découverte. C'est des épices secrètes. Et ce livre, je l'ai trouvé dans le labo de ma mère. Alors, nous découvrîmes dans la zone zéro d'étonnantes plantes comestibles aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver ça et là, à la surface, mais des Pokémon les dévorèrent rapidement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes Pokémon dominants. J'ai du mal, hein. Mais c'est un bouquin rempli d'histoires farfelues qu'on trouve souvent au rayon paranormal. Mais moi, je pense que tout ce qu'il y a décrit dedans est vrai. D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on a trouvée à Dogrino, ses pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Oh, t'as fini de manger ? Ah, il retrouve la vue, non ? Dogrino, tes yeux ! T'as retrouvé la vue ? Mais oui ! Oh, je suis tellement content ! Il pouvait plus ouvrir les yeux depuis tout ce temps. Je savais plus quoi faire. Si tu savais comme ça me rend heureux. Oh, c'est mignon. Oh, regarde, ses yeux sont si petits qu'on a du mal à voir s'ils sont ouverts. Tout ça, c'est grâce aux bienfaits de ces épices. Ça fait aucun doute. En tout cas, c'est décidé. Je vais tout faire pour soigner Dogrino jusqu'à qu'il retrouve la santé. Bref, maintenant tu connais toute l'histoire. Il reste encore 3 épices, il faut qu'on continue nos recherches. Quoi ? Ah, c'est une juste cause. Du coup, j'ai envie d'aller chercher toutes les épices. Moti, moti, moti. Allo Demix, ici Olim. Coraidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite lorsqu'il court sous sa forme monture. Alors, ça peut être ce jeu à stick gauche. Si vous percutez un arbre en sprintant, vous ferez peut-être tomber des Pokémon qui y sont perchés et vous pourrez les affronter. Ah d'accord, ça sert juste à ça. Je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Coraidon. Hein, d'accord. C'est plus pour... Ah d'accord, c'est ça, sprint. C'est n'importe quel arbre. Ah non, c'est pas n'importe quel arbre. Bon. Du coup, on sauvegarde. On va se diriger... On va se diriger vers la prochaine arène. Et on s'arrêtera là-bas. Comme ça, dans le prochain épisode, on aura un dominant et une autre arène. Du coup, je pense que c'est dans cette direction. C'est ça. Et parce qu'on fait... Il faut aller à gauche. Ah, un arbre. Les gamins. Alors je sais pas c'est quoi comme style d'arbre qu'il faut foncer dedans, mais Ouah, t'es venu me voir, c'est gentil. On se bat du coup. Allez. Eva.
Oh, tu ravis. Il est tout mignon. Bon, on va le pailleter. A plus. Comment raqueter une petite gamine? Tu m'as écrasé. C'est le cas de le dire. Alors... Bonbon XS. La pauvre elle est en train de pleurer. Est-ce que l'autre il va me donner... Ah, des polichons. Il est où celui qui donne des trucs là? Ah, il est pas là. Du coup... Ah, on va récupérer la Pokéball. Une petite copie Pokéball. Juste là. Saute! 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 Eh, il veut pas! Merde. Hop! Saute! Bah, ben, il veut pas. Tant pis. Bah du coup, bah faut aller par là. Sprintons, sprintons. On fonce dans des arbres, mais ça ne fait rien. Y a pas celui qui me donne des trucs là? Bon, visiblement non. Ah tiens, on va passer par là. Peut-être qu'on va avoir des choses intéressantes. Bon, déjà, il y a une CT. Chauve herbu. Des Pokémon. Et un dresseur. L'addition, s'il vous plaît. Si tu perds contre moi, ton addition s'élèvera à plus d'un million de Pokédollars. Bien sûr, Nanami. C'est bien beau de rêver. On va te balayer, tu vas voir. Tu vas faire redescendre sur Terre. Ah bah du coup, je crois que c'est la ville qu'on voit un peu plus loin là-bas. Il y a une petite île là-bas. Oh là là, il me manque quelques zéros. Alors, du zinc. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici? Non. Des cornèbres, des vivaldins, des énonceaux. Pokéball, qu'est-ce que c'est que ça? La Mimitos? Ah, mais c'est un Mimitos. Vampi baiser. Une espèce de gros tichon. Un dresseur, un dodo voilà. T'as pas de reste. Gaël. Non, il m'intimide. Quand je vais t'intimider, tu vas voir. Peine dans ta face. Je suis curieux en fait d'aller sur cette petite île là-bas. Oh, il y a des taureaux. Avec un misange. T'as monté beaucoup de volonté. Je suis fier de toi. Un seul ordo. Bécado. Alors, où est cette île? Tranchère. Allez, là-bas. Allez, loin en fait, l'île. On fait vite fait un tour. Hein.
Et après, on remonte. Il aime pas le choc. Une poutine. Oh, j'ai cru que j'avais foncé dans quelque chose. Par contre, les danseurs, je suis obligé de les remonter. Un serveur, c'est quelqu'un qui sert et crois-moi, tu vas être servi. Auto. Auto-autobus. Ah, Riolu. Je sais pas si on a déjà eu encore dans cet esprit. Non. On n'en a pas vu. Je ne connais pas ses faiblesses. Et c'est une lutteuse. Du change. Est une victoire de servi une. Oh, j'avais deviné le début. Non! Je voulais juste laver! Est-ce que t'as un mâle? En plus, t'as une femelle! J'ai aucun effort! Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un fragroin! Alors. Là, il n'y a pas de Pokéball. Allez, on saute! Qu'est-ce que c'est? Magikarp. Un dauphin. Un son cookie. Le petit. La petite mouette. Ah, c'est bon, on peut aller plus vite. Maire de l'Est de Paldea. Ah, bah, on pourra rejoindre directement après. Juste voir qu'est-ce qu'il y a sur cette île. Un Vorastéri. Des gros osios. Une CT. C'était Erdo. Alors, Mistéflotte. En fait, il y a plein de cités. Air d'herbe. Un flabébé. Protéines. Est-ce qu'on peut remonter? Ouais. Fer. En fait, il y a beaucoup de choses là. Carbone. Il y a même un dresseur. Mais où peut-il être? Je cherche le potentiel qui sommeille en moi. En fait, on peut chercher encore longtemps. Hein. Laszlo. Un Délestin. Je me demande si mon dauphin il évolue pas en Délestin. Je peux faire que ça. Et c'est pas très efficace. Donc on va d'abord en 3 tours. Encore 2. Moi je fasse un coup critique. Et non. Mais au moins il a la trouille. Allez, à quoi jette. Ouais, c'est ça. Ton talent, tu peux chercher encore longtemps. Hein. En tout cas, il ne se trouve pas dans le combat. C'est marrant. Ah bah, il y a encore une CT là-bas. Mais il y en a partout, en fait. Giga Impact. Il y en a plein, c'est bien. Ultra Laser. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il n'y a rien. Du coup, faut que je remonte là-haut. Oh, j'en avais une autre. Là. Mais est-ce que c'est pas la troisième forme, l'autre en jaune là-bas? J'ai vu en jaune, je crois, non? Les oiseaux là. Non? Air de feu. Bon, bah, il est parti, le zozio. Il y avait un oiseau jaune. Oh, non! Tant pis. Attaque danse aquatique. Genre il m'attaque avant. J'arrive pas à voir, il est quel niveau? Ah 28.
Mais moi, j'ai battu. En fait, il n'y a rien de Pokéball ici. Ça, c'est le même. Vinaigre. Ça doit être pour la composition des sandwichs. Allez, on rejoint la terre ferme à l'entrée de la prochaine ville et on s'arrêtera là. Le Magikarp, juste voir. Ah, un Prédastéry. Non, il va falloir avoir mon petit Vorastéry. Ah, un Léviator. On le tente. Allez, on tente. Je trouve qu'il est super fort. Il est niveau 22. Ah, bah en fait, il est nul. Peut-être qu'il va donner quand même pas mal d'XP. Mais il est nul. Oh, ça va. On va pas cracher dessus quoi. La petite île. Est-ce qu'il y a une CT là-dessus? Non. Mais il y a un mordu de pépite. Ah, le trio piqueur de Paldea. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coquillasse. Rappelle le gamin. Oh, il y a un crabagar à gauche. Je serai le plus fort, personne ne sera plus meilleur que moi. Oh, Marie. Alban. Un Gambex. Donc l'évolution de Lilitrel. Enfin, je pense. Battu. Un furéglon. Allez, on va changer. On va mettre charme en main. Ça change un peu. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah oui, c'est la petite pointe. Charbonne. J'aimerais bien qu'il évolue lui. Je sais pas comment on fait pour évoluer non plus. On va faire danse là. Ah, c'est tout, c'est pas très mal. On va faire Ebulia. Ah, là c'est mieux. Allez, Palmaval qui prend un niveau. Toi et moi, on est tous les deux le meilleur. Il est marrant, le petit. Épine de Vorastéry. La Pokéball. Oh, encore un dresseur. Il y a trop de dresseurs. Un crabagar qui vient me foncer dessus. J'aimerais partir en voyage poussé par la brise légère de l'aventure. Christian Rodin. Crabagar qui cherche la baguette. Alors, ton Vivaldin d'automne. Ah non, d'hiver, je crois que c'est d'hiver lui. Comment dire qu'il va prendre cher. Qu'est-ce que tu vas envoyer? Un Serpus. Allez, on va changer de Pokémon. On va mettre Briochien. Comme ça, tous les Pokémon de l'équipe auront participé à cette vidéo.
On va partir à la chasse au cerf. On va tester la terra cristallisation. On l'a pas vu encore, la terra fée. Voyons voir à quoi elle ressemble. Un cœur avec des ailes. En mode girly. Et il évite l'attaque, c'est une blague. Il a cassé tout le truc lui. Ah, il y a un bac à boue. Ah, et puis Mito qui a pris un niveau. On va y apprendre ma chouille. Place de bah morsure. Le vent ne fait que me souffler dans la figure. J'ai cru que j'avais un Pokémon qui allait évoluer. Ah, et plus de dresseur. Oh, il y en a encore un. Bon, c'est le dernier. Je peux pas travailler, maman. T'es un peu grand quand même pour pleurer ta mère, non? Virgile, faut penser à grandir, hein. Ah bah, moi, t'as les clés de ta maison pour rentrer chez toi. J'ai un fan, il va m'autographe. Du coup, est-ce que t'en as un autre? Non, c'est bon. On va pouvoir terminer là-dessus. T'es trop méchant, toi. Mais non. Il est pas vert, lui? Je crois qu'il était vert, le marine. Alors, on va juste voir le mec des récompenses. Parce que je pense qu'on n'a pas tué assez de dresseurs. Ah non, il en manque 6. Donc du coup, on va soigner la petite équipe. Dans le prochain épisode, on récupérera la Pokéball qui est juste en face. Car oui, j'ai vu la Pokéball. Voilà, c'est gentil mademoiselle. Du coup, on sauvegarde. Partie sauvegardée. Et du coup, on termine là-dessus. Du coup, petit récapitulatif de l'épisode. Nous avons gagné notre quatrième badge, le badge plante. Nous avons rencontré le dominant Kraparoi, qui nous a permis d'avoir notre deuxième épice. Et nous sommes arrivés dans la nouvelle ville, dont je n'ai pas vu le nom, pour combattre la cinquième maître d'arène, pour avoir du coup le cinquième badge. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Sur ce, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus. Si ce n'est toujours pas fait et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez avoir la notification de la sortie de nos vidéos, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao tout le monde !